Gulli présente. Oh là là, mais regarde. Ah non. Esprit de la boîte, pas de commentaire. Hein. Ave, Johan. Camemberus, esprit de la boîtus. La styliste, elle est pas venue, du coup, j'ai rien à me mettre. Voilà. Bah. Elle m'a demandé de te dire qu'elle avait mis tous tes vêtements dans ton armoire. Eh bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je fonce à la maison, je reviens et c'est parti. Allez, bon. Pas du tout, parce que l'émission commence dans 5. Eh ben non. 4, ah non, on peut pas. 3, et non. Eh ben non. 2, et esprit de la boîte. Générique-oum. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien sur ce plateau d'In The Boîte. Je suis ravi de vous retrouver hein, à la maison. Bonjour. Franchement, public, merci beaucoup. Je vous donnerai bien vos chèques. Hein. Promis, non, parce que c'est vraiment trop sympa. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Le public toujours à fond. Faites du bruit pour vous. Et alors, esprit de la boîte, t'as vu, beaucoup mieux la tenue comme ça maintenant, hein. Tu vois, t'aurais dû rester en jeu César, c'était beaucoup mieux. C'est pas sympa ça, ça c'est pas sympa esprit, avec qui on joue aujourd'hui, c'est pas sympa ça. Aujourd'hui en vert, la famille Bagné, Emmanuelle, la sportive, accompagne ses enfants. Blanche, 8 ans, future maîtresse, et Julien, 11 ans, danseur. Kamaté, Kamaté, ouh, on t'aura la boîte noire. Eh ouais, fais attention, Kamaté, bouh. En face, la famille Diarra en violet. Cécile, qui adore les câlins, est venue avec ses deux filles. Ada, 9 ans, future vétérinaire. Et Lola, 12 ans, qui fait de la boxe anglaise. Les Diarra auront la boîte noire. Eh ouais. Esprit de la boîte, fais attention aux candidats aujourd'hui, ils sont remontés graves. Allez, première manche. Mais avant, regardez ce pourquoi vous jouez. Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire. Mesdames, c'est vous qui commencez forcément les mamans, challenge les familles. Et j'espère que vous savez dessiner, car il s'agit du dessin aujourd'hui. Mais alors, avant de commencer, Emmanuel... il paraît que vous voulez pas de chien à la maison, alors que les enfants, Julien et Blanche, ils en rêvent. Ouais. Bah alors pourquoi? Bah parce que un poisson rouge, ça me va quoi. Bah non, ouais. Un chien, faut. Allez-y là, vas-y. Allez quoi, vas-y là, vas-y. Chien. Allez, le public, il faut déjà. On a déjà choisi le prénom. Un chien. Emmanuel, je vous propose quelque chose. Si vous allez en finale et que vous gagnez. En plus, vous adoptez un chien. Yes! Ouais. Franchement, il y a déjà deux enfants à la maison, ça suffit. Si, ça ça va, toi. T'es sans cœur. Et vous, les Diarra, vous avez des animaux, vous? Oui. On a deux poissons et un chat. Et vous voulez pas un chien? Non. Non, bon, ça va, alors pas de problème. Mesdames, allez, venez me rejoindre autour du tableau pour les dessins. Alors, me jetez pas de regard noir. Non, mais vous avez dit que oui, hein. Bon, mesdames, il va falloir dessiner 10 secondes pour faire deviner un mot. Aujourd'hui, nous cherchons des fruits et légumes. 10 secondes, chacune votre tour. Il va donc falloir être extrêmement rapide. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Il paraît que vous savez super bien dessiner. Absolument. Que dans votre famille, on vous appelle Picasso. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir du grand art aujourd'hui. Attention. 3, 2, 1, et top. C'est parti. Ce sont les violets qui commencent. Allez, Cécile, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, fruits et légumes. Les filles, c'est quoi? Si, c'est facile. Un poireau? Non, c'était une cerise. Allez, à vous. Emmanuel. Alors, vite, toujours fruits et légumes. Alors... Pommes de terre? Non, bah non. C'est plutôt un fruit, une là. Une fraise? Oui, fraise, bonne réponse. Emmanuel, vite, regardez, c'est à vous. Parce qu'Emmanuel, elle a la tête dans la lune, et puis voilà, du coup, elle perd pas mal de temps. Qu'est-ce que c'est? Fruits et légumes. C'était une noisette. Allez, on enchaîne. Si, maman. Emmanuel, vite. Oh, la dure. Ouais, mais bon, on n'a jamais dit que dans In The Boîte, c'était facile aussi. Hey. Oui, c'est pas... Ah, bah si, c'est bien parti. Une mangue. Non, bah non, là, c'est plus dur que ça. Pomme de terre. Non, c'était du fenouil. Allez, on enchaîne. Ouais, c'est du fenouil. Cécile, allez. Oh, le fenouil. Allez, maman. Alors... Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est... on en mange de temps en temps. Ah,
Une framboise. Non, c'était du brocoli. Oh. Allez, on enchaîne. Emmanuel, allez. Allez, Emmanuel. Tomate. Non, c'est pas du tomate. Citron. Bah non. Bah non. C'était du kiwi. Allez, allez. Vas-y, enchaîne. J'ai pas vu le kiwi, moi. Alors, on y va. Hé, allez. Cécile, vite. Une pomme. Non. Tomate. Mais non. C'était du pain, c'était du pamplemousse, vite, vite, vite. C'est Emmanuel, vas-y. Oh là 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 là. Non mais, ah bah elle a pas fini, et Emmanuel elle finit hein. Et on va vous laisser Emmanuel hein, venez à côté de nous. Parce que vous allez voir quand même que, alors non parce qu'il y a quand même des œuvres d'art. Le brocoli là, t'as vu la grappe? On dirait du raisin. Bah oui mais je savais pas comment dire. Ça c'était des cerises, ça c'est la noisette. Et la noisette c'était pas mal hein. Mais alors après, c'est la fête des ronds et des trous et des petits points. Hein. Allez, vas-y. Là, le kiwi. Non, mais le kiwi. Bah oui. Non, mais et le pamplemousse. Mais il ne savait pas quoi faire. Hé, hé, hé. Attendez, fenouil, c'est compliqué à dessiner quand même. Commencez pas à trouver des excuses. Hein. Et quand vous venez sur In The Boîte, vous savez qu'il faut s'entraîner quand même. Hein. Et ça, c'était quoi ça? Ça, c'était un radis. Bon, allez, filez dans vos zones là, ça suffit. Oui, allez, oui, ça oui, suffit, oui, c'est pas possible. Non, mais là. Non mais esprit de la boîte, un radis quoi, t'imagines le truc. Bon, alors ça fait combien dans les scores? Les deux familles sont dans les choux. Ah bah oui, 100 grave. 0 pour les verts, c'est nul. Non, alors, c'est pas tout à fait nul, hein, on peut pas dire ça. On va dire que c'est moyen, moins. Hein, on va dire ça. Bon, est-ce que vous êtes prêtes pour le quiz? Oui. Non, vous êtes sûr parce que vous m'avez dit la même chose pour les dessins, oui, c'est sûr. Oui, oui, on est prêts. Bon bah alors c'est parti, j'ai un peu peur quand même. Bon allez, on oublie les dessins, on oublie tout ça pour ce quiz. Quiz où chaque bonne réponse peut vous rapporter 200 points. Soyez rapide sur les buzzers. Une première question sur les espions. Ouais, c'est quoi? Vous aimez les films d'espionnage, oui, tout ça là? Ouais. Votre c'est film sympa. D'espionnage préféré, c'est... James Bond. Ouais, non, alors c'est pas James Bond. Hein, alors c'est James Bond. James Bond. Et vous, les Diarra? Ah, c'est amour, gloire et beauté, après. Ouais, c'est ça. Ouais, quoi? C'est pas trop l'espionnage. C'est plutôt les histoires d'amour, vous. Non, non, comment ça s'appelle là? Si, c'est les histoires d'amour. Non, si, non, non, c'est dessins animés et films bizarres. Films bizarres. Alors, c'est quoi les films bizarres? Extraterrestres, monstres bizarres. Toutes les choses bizarres, en fait. Ils sont étranges. Comme d'ailleurs. Allez, question espionnage. Les espions britanniques ont récemment reçu l'autorisation. De quoi? De griller les feux rouges, de faire de la moto sans casque ou de manger avec les doigts. Faire la moto sans casque. Les bagnets. De faire la moto sans casque. Faire la moto sans casque. On valide. On valide. Ça c'est pas bien ça. Hein. Pourtant au départ, hein, faut toujours mettre un casque sur la moto. Hein. Feu rouge. Vous êtes sûr de vous, Emmanuel? À mon avis, c'était feu rouge. Et ouais, Julien était là. Julien. On n'a pas. T'as validé? Et oui, c'est validé. Faut qu'on se parle avant, d'accord? Bah, la concertation, exactement. Hein? Parce que Julien, il est passionné de James Bond. Faut peut-être l'écouter aussi. Ouais. Bah oui, il avait raison, c'était griller les feux rouges. Et c'est pas faire de la moto sans casque. Parce que jusqu'à présent, quand même, il faut savoir que les espions payaient des PV car seule la police et les secours avaient droit aux excès de vitesse. Mais maintenant, les espions aussi. C'est comme ça. Vous êtes déjà allé en Australie? Non. Vous êtes déjà allé où? Le plus loin, c'était où? Aux Seychelles. Aux Seychelles? Oui. Ah ouais, sympa. Et vous? En Afrique et aux États-Unis. Où ça, aux États-Unis? Washington, Philadelphie. Ah ouais? Vous êtes pas allé à Miami? Non. Ah, va falloir y aller, pas c'est sympa. Bon, alors l'Australie, c'est bien, il y a des kangourous partout, tout ça, machin. Des koalas aussi. Il y a aussi ça, il y a même des mammouths, il paraît. Enfin, bon. En Australie, quel mammifère se compte par centaines de millions? Les kangourous, les lapins ou les mammouths? Les kangourous? Les Diarra? Les kangourous? Mais quoi, je n'ai pas compris la question. Combien il y a de millions, se compte par millions, les kangourous, les lapins ou les quoi? Vite, dépêchez-vous, non, dépêchez-vous, les vite, lapins, lapin sur le gong. Oh, quoi? Lapin? Les lapins en valide. Alors que Lola était partie sur les kangourous, puis changement de... Changement de point. Voilà, kangourou, lapin, je crois que... Non. Et Cécile quoi, commence non. à faire la tête. Non. Si, non, je l'ai vu. C'est kangourou, lapin, mammouth. Allez, les lapins. Ah ouais, mais vous boudez là? Non. Si, si vous boudez. Bah, vous croyez que je vous vois pas? Ça, c'est quoi ça? C'est boudé. C'est une bonne réponse pour toi. Hey, les lapins. Et alors, toute l'histoire est partie de 24 lapins qui ont été importés d'Angleterre en 1859. Et alors, les lapins, hein, 50 ans plus tard, ils étaient 600 millions.
Ah bah quand même. Et ça part de 24, hein. Ah vite. 200 points pour les Diarra qui prennent l'avantage dans cette partie grâce au lapin. C'est au 19e siècle qu'on a inventé la chasse d'eau, le papier toilette prédécoupé ou le fil à couper l'eau chaude. Les baigniers. 19e siècle. Papier toilette, la chasse d'eau, je valide. Non. Mais pourquoi tu valides? Tu valides tout seul, Julien? Bah, tu penses, il nous restait plus de temps. Puis tout à l'heure, vous avez dit n'importe quoi. Alors peut-être que Julien s'est dit qu'il fallait prendre les choses en main. Ouais. La chasse d'eau. Emmanuel, vous auriez dit quoi, vous? Peut-être ouais. Le papier toilette. Non, je rigole. Non, la chasse d'eau, c'est possible. Bah, le papier toilette prédécoupé. Non. Le rouleau, quoi. Ouais, le rouleau. 19e. 19e, c'est quand? C'est 1800 quelque chose. Bah oui. Ouais. La chasse d'eau moderne, elle est beaucoup plus ancienne que ça. Elle date du 16e siècle. Ouais. Eh ouais, c'était le papier toilette prédécoupé. Eh ouais, vous l'aviez, Emmanuel. Vous l'aviez, Emmanuel. Bah, oui. Emmanuel, vous donc êtes les. Mais ouais, seul. Mais on c'est pas. Oui, mais vous êtes l'experte dans la famille là. Fallait répondre. Non, je suis pas l'experte. Quand même, un petit peu. Bon, 0 point supplémentaire et nous passons à la question à la. Pas besoin de buzzer. Une question ouverte. Vous aurez 10 secondes pour vous concerter, puis me donner votre proposition. C'est la réponse la plus proche de la réponse exacte qui marquera 200 points. Quel pourcentage des Français dit porter au moins un tatouage? Réfléchissez, concertez-vous. Quel pourcentage des Français dit porter au moins un tatouage? Et je vois que dans le public, ça papote, ça discute. Les Diarra. 65, on valide. Pourquoi? T'as dit combien, toi? J'ai rien dit, moi. Eh ben, dis justement. Quoi? Moi, comme ça, elle a rien dit, Ada. Alors, tu dis combien, toi? À ton avis? En pourcent? Moi, je dis 65. Entre 0. 65? Bon, alors, on reste 65. Sur 65. Ouais, tout le monde est d'accord sur 65%. Les Bagnés, à votre avis, vous? 20%. 40%. Non, 20%. 20%. 20%. Vous avez des tatouages, vous? Non. Non. Moi, j'ai envie de m'en faire un. Déjà? Ouais. Prends ton temps. Hein. Faut pas être pressé. Hein. Est-ce que dans le public, il y a des personnes qui ont un tatouage? Au moins un tatouage. Levez la main. 1, 2. Ouais, vous voyez, ça fait pas beaucoup. Hein. A priori, il y a 100 personnes et il y en a une vingtaine, peut-être une dizaine. Moi, je dirais même 10%. Même. 65%, c'était beaucoup. La bonne réponse est 10%. Ouais, yes. J'allais dire. Parce que je voulais dire, on aurait eu 500 points. Les plus proches, du coup, ce sont les Bagnés. Yeah. Esprit de la boîte. Les Diarra ont la défaite dans la peau. 300 à 200 pour les Bagnés. On réglera ça tout à l'heure. Ça va pas, esprit de la boîte. Alors, pour info, il y a 9% des femmes qui ont un tatouage, au moins un tatouage, et 11% des hommes. Est-ce que vous êtes prêts pour le challenge des enfants? Oui. J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts pour le challenge des enfants? Oui. Eh ben, c'est donc parti pour le challenge des enfants. Bon, on y va. Et alors attention, aujourd'hui, sous le regard de Hugo Le Moineau, une compétition internationale de région qui va tout péter, il s'agit de la compétition du R. Gros match aujourd'hui avec Enviolé, regardez-les, le FC Vitry. Et face au FC Vitry aujourd'hui en vert, le AC Paris 15. Allez, en place tout le monde. Tout le public est complètement dingue, écoutez. Pour cette compétition au sommet. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? L'objectif est de mettre un maximum de buts en soufflant sur la balle. Ready? 3, 2, 1, 1 minute 30. Top, c'est parti. Alors on met bien les mains dans le dos, sinon c'est faute. Ouais, c'est faute technique et là ça va pas. Attention les violets. Les violets, 1-0. 1-0 pour les violets. Ok, pas mal Vitry. Vitry est en forme. Vitry envoie. Vitry se fait plaisir. Ah là 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 là. Envers le Paris 15. Envers les Bagnés. Très proche là, la Zlatan. Elle est tout devant la Zlatan. La mèche. Ah là, la défense.
Allez, Lydiara qui remonte la balle. Mais belle défense. Allez, ça sort le but. Oh là là, c'est long. Allez, faut pousser. Faut pousser, faut y aller. Allez, on y va là. Oh là là, 2-0. Bien joué, Lydiara, là. C'est bon, ça. Match de défense. Pour les Bagnets. Les Bagnets qui peuvent marquer leur premier but. Allez, vas-y, là, faut pousser. Et 30 secondes. Allez. Oh là, dommage. Mais quelle perte d'énergie au milieu de terrain. Et c'est 2-1. Bien joué. Allez. Et 20 secondes. Allez, go. Défense. La défense, bien joué. Ouh là là. Grosse défense. Où est ta défense? Ouh là là. C'est énorme. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour nos candidats qui ont tout donné. Et aujourd'hui, à la compétition de airball, ce sont les Diara les plus forts. Dehors. On ne peut que soupirer en voyant ce score minable. 400 points partout. Oh, égalité. Allez, vous pouvez regagner votre zone de jeu. Et nous, on se retrouve dans quelques instants sur Gulli, bien sûr, pour la suite d'In The Boîte, mais c'est juste après ça. De retour sur le plateau d'In The Boîte, où on est tranquille, on danse. On dansait même pendant la coupure, on est au top. Et pour l'instant, c'est égalité pour les deux familles. Alors, grande question, aujourd'hui, à votre avis, qui va aller affronter l'esprit de la boîte? Les Bagnets en vert? Ou les Diara en violet? Autant vous dire pour l'instant que ce sont les Diara les plus forts au airball, nous l'avons vu tout à l'heure. Quiz des enfants. Une question chacun à votre tour, 200 points la bonne réponse, 3 secondes pour répondre, soyez rapide, soyez vif. Une place en finale se joue maintenant et c'est Ada. Quoi? C'est toi qui commence. Tu es prête? Ouais. T'es sûr? Ouais. Allez. Sinon, je balance tout sur ton amoureux. J'en ai pas. Mm-hmm. Ah bon? T'es sûr? Oui. Bon, Ada, allez. Attention, dès que tu es prête, tu dis top. Top. Le coach en costume bleu dans The Voice, Garou ou Mika? Mika. Bonne réponse. Julien, on peut rouler à vélo sur l'autoroute à condition de mettre un casque, vrai ou faux? Vrai. Mais c'est faux, c'est archi interdit, hyper dangereux. Julien. Lola, chacun de nos pouces possède 2 phalanges ou 3 phalanges? 2. Bonne réponse. Yes. Blanche, Pierrot, le grand copain de Calimero, un poulet ou un canard? Un poulet. Ah non, c'est un canard. Ada, le drapeau américain a été planté sur la Lune, vrai ou faux? Vrai. Oui, bonne réponse, 6 fois. Bien, les filles. Julien, les phares marins scintillent la nuit pour prévenir les bateaux ou éclairer les pêcheurs? Éclairer les pêcheurs? Ah bah non, c'est pour prévenir les bateaux. Lola, à l'école, Samantha de Monster Buster Club pratique la danse ou le karaté? Le karaté? Bonne réponse. Blanche, chez le coiffeur, pour avoir des mèches plus claires, on demande un balayage ou un dépoussiérage? Un balayage. Bonne réponse. Ada, l'Indien Nuage Dansant est l'ami fidèle de Yakari ou du Dr. Quinn? Yakari. Non, dans Dr. Quinn. Julien, dans Le Roi Lion, l'expression Hakuna Matata signifie salut les amis ou pas de soucis? Salut les amis. Ah non, pas de soucis. Lola, sur les PC, le raccourci pour coller du texte, Ctrl V ou Ctrl X? Ctrl V. Bonne réponse. Blanche, un personnage sans bouche avec moustache, Mario ou Hello Kitty? Mario. Et non, c'est Hello Kitty. Ada, le beach volley se pratique sur le sable ou dans l'eau? Sur le sable. Bonne réponse. Bien, Julien, les calmars ont 3 cœurs, 10 bras et le sang bleu. Vrai ou faux? Faux. Bah c'est vrai. Lola, dans Violetta, l'héroïne chante en italien ou en espagnol? En espagnol. Oui, bonne réponse, elle est argentine. Blanche, il tombe en mars et en septembre, les équinoxes ou les solstices? Les solstices. Ah non, c'était les équinoxes.
Les bagnets, qu'est-ce qui s'est passé là? La cata. Ah là, il y a eu un petit moment. Hey, on va vous applaudir bien fort. Ouais. Et vous avez sauvé l'honneur, vous avez quand même donné une bonne réponse. Ouais. Les Diarra, avec 7 bonnes réponses, c'est vous qui irez affronter l'esprit de la boîte. Avec 1800 points, les bagnets, à très bientôt. Merci pour votre sourire et votre sympathie. Et regardez ce que vous avez gagné, plein de cadeaux. Des entrées pour toute la famille, pour l'aquarium de Marne-la-Vallée, le Robert Illustré et son dictionnaire internet, le collège numérique, sans oublier la boîte de jeu In The Boîte, offert par nos partenaires. Allez, hop, 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 Lola et Ada, c'est maintenant que tout se joue, d'accord? 3 minutes pour aller récupérer le trophée. Ouais. Bien entendu, vous êtes entraînés à la maison. Et bien entendu, vous allez tacler l'esprit de la boîte maintenant. Allez-y, là, mettez-lui une vanne. Non, mais non, la fan. Vas-y, ok, tu t'en sors bien. L'esprit de la boîte, tu me touches, t'es mort. Voilà, c'est tout. Oh, 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 la réputation de loser que vous allez avoir à n'importe l'école. Où, n'importe quoi, n'écoutez pas. Ouais, mais c'est toi le loser. De toute façon, tu finiras seul avec ton chat, tu le sais. Bon, alors attention. Il y a un chat ? Oui, il y a un chat, mais bon, c'est un vieux chat. Ada, fonce derrière le pupitre, c'est toi qui vas donner les indications. Lola, sois extrêmement rapide. N'oublie pas le buzzer, 10 secondes supplémentaires. Et trouve-nous ce trophée, d'accord ? Check, 3, check, 2, check, 1, check, top, c'est parti. Allez Lola ! Va tout droit. Tout droit. Allez, continue, va tout droit. Ah, je me mets là. Allez, faut se dépêcher là. Allez, de la droite. De l'autre droite. Ah, oui, voilà. L'autre droite, ça se vanne. Ça se vanne, je note. Va vers le bas. Ouais, va vers le bas. Cécile, vous êtes un peu la supportrice. Vous pouvez les supporter, hein, allez-y. Mais si, vous pouvez y aller. Allez, chérie, tu vas y arriver. Allez, Lola. J'ai confiance en toi, t'es une balèze. L'esprit de la boîte noire, il n'aura plus rien à dire après. Ah, exactement, voilà. on va lui fermer le clapet à voilà, lui. Voilà, hein. Il va aller au lit. Allez, go, go, go. Tourne vers la droite. Alors, vas-y. Oui, c'est bien. Vas-y, allez. Ma chérie. Ok, elle est sortie des élastiques et allez, ça, c'est bon. Allez, ma douce. Vas-y. Parle fort, Ada. Va. Tout droit. Oh, ouais. Voilà. Vas-y, tout droit. Tout droit, ouais. Encore. Elle monte sur le 12, ça se passe bien. Va, vas-y, non, ma retourne-toi. Ouais, c'est bien. Tourne-toi. Bah, non, là, elle fait non, demi-tour. Non, voilà. Ok. Voilà, continue tout droit. Continue. C'est bien. Allez, plus vite. Allez. Vers la gauche. Allez, ma chérie. C'est bien. Allez, Lola. Allez, on y va, allez, là, on y va. Monte. Il va tout démonter, allez. Vas-y, va en bas. Ah, là, elle va le trouver, le passage. Allez, il est juste plus loin, il est là. Voilà. Il est là, le... Continue. Ouais, vas-y. Allez, allez. Après. Elle est là, la sortie. Allez, ça y est, elle est sortie. Ouais. Okay. Vas-y, ma chérie. Allez, je te fais confiance, tu vas y arriver. Vas-y, mon cœur. En bas, elle peut la voir. Vas-y. Tu l'as, vas-y. Voilà, il faut prendre son temps parfois, il faut être patient. Tourne, patient. Tu oh là 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 là. Faut sortir. Allez. Et il reste du temps en plus là, la voilà, regardez. Ah oh non mais, viens, venez. Non mais j'y crois pas quoi. Il restait 40 secondes les filles. Et alors, est-ce que vous avez vu comment elle est sortie avec le trophée? Genre, salut, tout va bien, ouais, quoi. C'est défilé de mode aujourd'hui? Non, mais vraiment, bien joué les filles. Et regardez ce que vous avez gagné. Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire. Bon, les filles, régalez-vous, profitez. Merci. Vous avez été canon et vous le méritez. Merci vraiment. Beaucoup. À très bientôt. Super équipe. Ah, bah, merci ça, c'est sûr. Hein. Restez avec moi quand même. Okay. Hein. Et si vous aussi à la maison, vous voulez venir ici affronter la boîte noire, hop là, on va sur internet. www.gulli.fr. Et on se dit à très vite sur le plateau de Gulli. Et in the boîte. Ciao. Bravo, merci. Les filles.
Inscrivez-vous et achetez du courage, beaucoup de courage. Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.